effectivement, date 11 septembre, non, c'est la date officielle qui est retenue pour les reprises d'activités scolaires. Cependant, par rapport à la commotion sociale qui gagne en fait Carrefour-Feuille, ça gagne des incidences et majeures sur en fait, Carrefour-Feuille et zone environnante. Et le lycée de Carrefour-Feuille, comme tant d'autres lycées, Divine, ils ont abri en fait provisoire. Et là, si je ne me trompe, je crois que nous gagnons près de 600 à 650 mounes et en dans l'espace. Or, nous gagnons 17 salles de classe et toutes 17 salles de classe sont occupées. Donc, nous gagnons des déplacés. Cela dit, et l'école là n'est pas capable de prendre un lycéen. Et par rapport à l'état actuel en fait des choses, j'en suis capable de constater en fait nous-mêmes. Donc en fait c'est ça. Et moi je viens là en fait le matin, tout comme vendredi que pour que nous soyons capables de garder les ouais. Mais les conditions n'ont pas réuni pour que l'école là reprenne dans le lycée Jean-Jacques. Par rapport eh bien, à tout déplacer ça que nous gagnons là. Donc c'est un problème qui nécessitait l'intervention de l'État et ce au plus haut niveau en fait, de l'État. Parce que très certainement, ce n'est pas un problème qui incombait uniquement à l'éducation nationale qui lui-même lit là pour lui réguler le système éducatif. Parce que là, il est question de sécurité publique. S'agissant d'un problème de sécurité publique, donc ce n'est pas vraiment l'apanage du ministère de l'Éducation nationale, c'est plutôt l'État dans son ensemble, comme je l'ai dit tantôt, donc au plus haut niveau en fait de l'État. Donc et à quand la reprise des activités scolaires au lycée Jean-Jacques, donc point d'interrogation, il va falloir que l'État y intervienne pour qu'il soit capable de résoudre les problèmes que nous gagnons là, je dis à Jacques Mdil, dans le centre qui gagne près de 600 à 650. Est-ce que vous pour parler qui fait entre les responsables établissements scolaires ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale pour connaître est-ce qu'il y a un cas spécial pour les élèves par bon ici? Non, non pas vraiment gagné de vous parler des entretiens avec les responsables du ministère. Sinon que vous connaissez le ministère, là, vous voyez des enquêteurs qui viennent recueillir en fait, des données. Et c'est sur la base en fait des données et relatives à toute l'école publique, je dirais privée également, qui servit d'appui provisoire. C'est à partir de ces données que le ministère a fini recueillir et c'est à partir de là que l'a capable de connaître qui ça pour le faire, c'est pour le rencontrer avec les responsables des écoles publiques inévitablement. Mais pas avant que l'IFIN fait cueillette de données ça, l'IFIN a suffisamment d'informations. Il n'est pas capable de rencontrer avec les responsables parce que pour y réagir, c'est sur la base de cette donnée pour y réagir. Est-ce que l'inscription est en cours? Nous avons commencé l'inscription. Il y a une première vague d'inscription que nous avons fait. Et nous n'avons pas fait l'examen en samedi. Tandis que déplacé au arrivé dans le lycée en vendredi. Donc, au lendemain, nous avons obligé venir dans le lycée pour prendre données par eux, parce que par exemple, ils viennent mener si nous venons proposer. Donc, écoutez, examen, nous n'avons pas arrivé à faire, nous tout simplement prendre données et par ailleurs, numéro de téléphone et au moment opportun pour que nous capables d'entrer en contact avec. Donc, inscription pour co-boucler. Inscription pour co-boucler, mon cher, dans l'état actuel en fait des choses, je ne puis vous dire davantage. Par rapport, n'est-ce pas, à fléau ça, et que nous faisons face à l'Iban. Bon, quand même, salut nous, et nous salut tout le monde qui est en de nous. Bon, pour ouvrir cette école-là, c'est vraiment difficile, parce que nous, nous sommes là, il y a quelqu'un, tout le monde. Je ne même pas une première famille qui est là, parce que de temps à autre, on a fini, on va aller, on a fini. En plus, on a un café pratiquement crasé. Mais quand même, on est l'école là, c'est lui-même qui est là, il y a presque tout ce qui m'a montré dans l'activité, ça permet que nous avons gardé pour nous, ouais, si nous sommes capables, mais quand même nous projeter pour nous ouvrir l'école là le 9 octobre, si je veux. Et depuis jeudi, on a commencé à
pense que c'est pas quelqu'un par intimement, mais nous pas assuré à 100% que nous avons pour venir. Mais c'est ça nous projeté. Et c'est ça nous a souhaité parce que l'eau, on a acheté une zone dans le domaine, une zone tunnel crasse comme ça. Ça veut dire quand même que la clientèle a vraiment baissé. À cause que la clientèle a baissé considérablement, ou pas vraiment qu'on est sûr pour le faire à 100%. Ça veut dire ça on décide de faire, ou pas qu'à chien ou à semblant que la réaliser à 100%. Mais quand même, on souhaitait ouvrir le 9 octobre, mais c'est nous-mêmes qui projetons date là par rapport à la situation. Nous pensons que j'en ai graduellement ces activités après prendre graduellement. Nous pensons que à partir après 2 semaines ou bien 3 semaines encore, on a fini par rendre compte. Est-ce que tout le bagage a marché à 100% en jeune compagnie? Mais là, on dit que nous devons toujours dans ce cas-là. Est-ce que vous pouvez y aller? Est-ce que j'ai un cas qui est dépassé? Bon, ça, comme pas d'avant-entrée, nous avons toujours apprendre ça, c'est une situation de colle. Quand même, la situation n'a pas gagné le choix, c'est une situation obligée, nous obligés de recevoir. Mais nous ne pouvons pas dire n'importe où aller. Mais écoutez, c'est eux-mêmes qui apprennent que par rapport à la date que nous fixons l'école là, qui mouvement a fait. En plus, bon, à 90% de c'est l'État ici qui a connu qui j'en ai aidé. Parce que de fait, même si l'école là va jamais ouvrir, on va dire que vous étiez là, net allé pendant toute l'année. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire quand même, c'est l'État ici qui connaît la réalité, pour connaître qui ça vous fait pour qui j'en ai aidé, qui permet que vous êtes à souvenir à besoin. Non, c'est l'ingénieur Marquis Jean. C'est un membre de l'institution. Merci. En septembre, il y a des conditions derrière pour ce peuple-là, pour la fin de l'audience, pour regarder est-ce que il y a un minimum qui réunit pour l'école qui a gardé l'ouvrir lundi. Est-ce que le gouvernement est penser, faire une petite classe préparation pour l'école à ouvrir. Est-ce que le gouvernement ça, qui a pour une gang, qui fait que nous disons, pile l'école, c'est vide d'abri, pile citoyen, citoyenne, à couille qui est la caillou, qui est au boulet, qui n'a rien. Est-ce que le gouvernement ça, qui c'est pas par insécurité, qui a pour une gang, qui a assuré une classe correcte pour les parents, élèves, professeurs qui ont la sécurité à l'école, pour le groupe de l'école. C'est qu'est-ce qu'ils sont regardés ensemble là, donc avec le groupe ça. Deuxièmement, nous avons CARICOM qui ici encore pour une énième mission qui n'a pas apporté aucun résultat. Pour y demandé, est-ce que CARICOM n'a pas posture liée là, est-ce qu'il a apporté une réponse, est-ce qu'il a joué le rôle de la jouette pour ton solution. Et est-ce qu'il faut qu'il soit réuni pour CARICOM qui a aidé pour une solution de sa capacité là. Et en dernière position, nous gagnons par rapport à ça qui est la situation globale, nous gagnons un conseil de débat. Tout le secteur de ça là, un conseil de débat ici en Haïti, l'autre bord de l'eau, que ce soit en France, Canada, États-Unis, le côté encore. On le prince, comme dans la population, il y a aussi des débats sur la situation du pays. Et particulièrement sur un nouveau livre collectif qui est sorti et que la gagné la semaine prochaine pour le bien d'amener nous. Et sous question de l'école là, qui sont 4 sessions pour vous parler, on va garder ces soucis-là à travers un cycle de débat que le camarade a présenté tout à l'heure. Tu vous avez aussi l'école là. Vous savez que M. Maniga, avec l'équipe, lui, parlait des questions de l'école, qui est arrivé à l'ouvrir le 11. Ça dépendait. Est-ce que ni Maniga, ni le gouvernement, t'es au minimum de préparation? Est-ce que tu pensé au minimum de préparation pour que tu aies l'école là? Est-ce que tu connais que l'école n'est pas ouverte vraiment? Est-ce que il y a des conditions réunies pour l'école ouvrir dans le genre là qu'on y a là. Là, il y a un, que un pile de parents, un professeur, un pile d'élèves, étudiants, etc., ils ont couru. Un pile d'école, je le dis, c'est
celui d'abri pour les dépasser forcés que gang yo mettait dehors pour les cailloux, etc. Là, on connaît que c'est pas seulement dans Port-au-Prince, dans la Tibonite, ou plus côté encore, gang a fait mourir. Donc, on a demandé est-ce que l'école carré ouvrit dans cette situation? Est-ce que la sécurité est en condition pour l'école à réouvrir? Parce que nous avons des enseignants, parents qui victimes de sécurité l'année dernière. Le cas où vous êtes qui vous parle, non l'école, c'est un coup, monsieur Escabeza, monsieur Culba, il pourra faire un cas. Il y a des parents qui étaient victimes de kidnapping voilà, à dépasser. Quand il y a là, nous avons des gangs qui sont plus puissants parce que je vais justifier l'occupation des pays qui vont ici. Je vais gagner, le pouvoir pour craser, briser, kidnapper, tuer, violer, voler, j'ai roulé. Qui donc, comment qu'il a, Kabouy Gang là, n'a pas aucune garantie de sécurité pour parents, pour élèves, pour professeurs, pour l'assurance, pour assurer aux écoles. Et Nabdi, à part la question de sécurité, professeurs et élèves, ils ont une série de revendications légitimes que nous faisons 2 mois de grève l'année dernière. Ni Madiga, ni ministre des Finances, ni Ariel, qui fait un géo. Ils ont fait un cynisme extraordinaire pour ne pas nous poste. Les communes qui ont été ouvertes sans que revendications soient satisfaites. Toi, nous avons plus de parents qui ont couru. Ils ont perdu des munitions, ils ont perdu des cailloux, ils ont la rue. Ils n'ont pas même pris un carnet. Si vous voulez, dans l'école, depuis l'année dernière. Et ensuite, c'est quelle école qui n'a pas conscience de la situation par l'année. Je vous ai pris l'école, mais auteur. Pas de dit par rapport à ça. Comment, par ça, vous avez dit que l'école n'est pas en condition. Et ensuite, tu as fini pour nous dire que, lui, dit, l'école qui veut l'ouvrir, est-ce que n'est pas le gouvernement ça même en condition pour l'école à l'ouvrir? Parce que si l'école n'a pas à l'ouvrir parce qu'il y a une insécurité, gang tout puissant, le gouvernement a soutenu, a équipé sur la conversation, a protégé et a baillé tout local de marché de population. Donc est-ce que le gouvernement comme ça est capable de garantir la sécurité? Est-ce que le capable de dire, pas qu'à considérer, tu n'as pas Jean-Pile, l'autre secteur de Amandel, est-ce que tu n'as pas fait ça, à une condition pour l'école à l'ouvrir, puisque l'insécurité, c'est un problème pour l'école, pas qu'à l'ouvrir, parce que, et pour plusieurs raisons. Et en dernière position, on a dit, tout le général, Dieu le dit, dans cette vie-là, ni CARICOM, ni l'ONU, ni corps groupe, qui n'a pas de réponse pour nous, c'est nous qui nous avons de réponse. Réponse, c'est dans lever camper général, soulèvement populaire paysan pour les épaules. Ils ont collé l'homme. Même là, ils ont arrivé sur vous. Ils ont arrivé sur vous, si elle n'est pas faite pour bloquer vous. Dans la route, vous êtes là. Et c'est le sens de dire, seul peuple de Salino, c'est soulèvement populaire pour nous ébranler les gangs, ébranler le pouvoir, ébranler les corps groupes. Parce que les peuples levés, gangs à rentrer. Tout le monde a et m'a levé tout le monde. Nous, on va peut-être se lever 24 avril, nous avons commencé à rentrer. Comme nous, que avons assuré que y a une protection, nous avons continué à frapper, nous avons frappé, donc il faut nous frapper. Sur CARICOM, nous avons fini pour nous dire que CARICOM, ça fait une mission. Une mission, pour vous proposer qui ça, à vous avec quel résultat. Nous avons dit que CARICOM, pas de posture, il va la posture. Pour les déposer des réponses. Pour les déposer des réponses, il faut que l'État autonome, il faut que l'État sorti en bas de griffe américaine pour que l'État agisse en grand monde avec acteurs haïtiens dans le respect qu'il faut et demander pour trouver une solution. Ça nous a dit. CARICOM en bas l'obédience américaine. Et américain besoin que les crises là, que les Ariel, que les situations qui sont là. Qui donc? Si CARICOM en bas l'obédience américaine, américain n'a pas d'intérêt qui a résolu l'intérêt de l'IA, nous avons espéré que CARICOM a apporté une réponse. Et d'ailleurs, nous souhaitons que les coups de Jamaïque, CARICOM a fait preuve d'un minimum de respect pour les acteurs haïtiens.
nous-mêmes, nous recevons une lettre en collectif forme un mois avant bagaille Jamaïque là, pour demander nous de participer dans la séance qui a fait Jamaïque là. Nous ne pouvons pas parler parce que nous estimons que même si nous avons en collectif forme, mais l'agenda va défini, nous pouvons perdre de temps établié, nous ne pouvons pas perdre, nous allons aller. Mais nous avons quelqu'un, malgré nous qui ont l'aide pour nous dire si on a une réponse, mais ça, même route de grand, nous allons persévérer dans la même route RRA sur le budget américain et il a fait une perte de temps. Je vous dis, quand il vient là, si il n'est pas sorti en bas de crise américaine, son blague qui a fait là, son tien qui a fait là, et par les clés qui sont portées avec le CARICOM. Donc CARICOM a dit, tant que les pagaient trois grands mouni, tant qu'il y a un bas griffe américain, il n'y a pas de clé réponse parce que les pays n'ont pas intention, pas les pays à chance ni. Et c'est bien ça que nous disons, chaque pays a, c'est les Haïtiens liés. Haïtiens, c'est tout le monde dans le bord de l'eau. C'est bien ça que nous disons que sous les populaires, c'est solution. Et sous les populaires, organisés, rapides, pour nous sortir de côté là, pour bloquer. Gagnant et bien que perdre la Cali sans problème et bien que monde qui est passé au cas retourner et pour nous retourner sans qu'elle saute, faut que gouvernement gagne ça par là encore pour les gens rien ouvrir sans qu'elle saute, faut que gouvernement gagne ça par là. Donc nous gagnons le devoir pour nous pour les épaules pour ces deux gouvernements ça car le gouvernement qui a une sécurité qui va dégoûter ça gagnant et qui a aidé nous jouer deux pays pour vivre dans le monde pour ne pas les courir la fête là. Sous question des baillots, c'est pour nous bataille, pour nous être clair. Pour nous être clair, pour nous discuter. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de débats qui ont fait sous l'île qui va sortir, qui sortira déjà, que la ville vous êtes la semaine prochaine, et qui a fait ici, l'autre bord de l'eau, et la ville provinciale, pour nous être plus clair, nous avancer rapidement les solutions des peuples chassés. Passez-vous. Non.